nous et Frère Maxemio, c'est JFL Cuisine Créole, j'en fais dans lundi. Votre chef à la maison qui rentre la caille nous, moi dis nous un grand merci pour confiance nous. Merci pour bouche à l'oreille là et que moi ouais nous commencer à abonner. Moi prends un petit temps tout pour me saluer tout haïtien qui suivre moi Nassau, haïtien qui suivre moi Bahamas, haïtien qui suivre moi Curaçao aussi. Moi salue nous toutes et moi dis nous un grand merci. Pas oublier 10 amis nous, parler de chaîne nous pas besoin. Moi j'ai un ami qui commencé avec moi début qui t'a demandé un calmar. M'a fait mais il était écrit il dit il y a un petit problème avec d'autres fruits de mer, ben il est tellement gêné, il pas dit mieux. OK? Je dis moi fait beaucoup de cuisine actualisée pour nous bien facile mais actualisée là vraiment bon. Premier ça m'va faire pour nous m'va cuire un bagaille les moules, OK? M'va préparer moule pour nous. OK Wana? Ça c'est un premier fruit de mer aussi. Pour faire un moule, c'est un bagage qui est très simple, OK? Quand y a la gomba, je vais dire nous très important. Je dis là, moi pour utiliser seulement bagage que nous posséder qui remplace cajun nous qu'on mettait, qui remplace paprika juste avec produit naturel que nous posséder la caillou. Qu'on a pour moi fait moule. Moule c'est ça. Ouais, son petit coquille, il y aurait le moule, OK? Lorsqu'on fait pour la on passer sous l'eau. Pour moulin bon, faut que li ferme. Si moulin ouvert, c'est que li gon problème, li pas bon, li pas ta supposé mangeable. Avle di, bet yo getan mouri, li ka gen mauvais sang. Ok? Kon yon la, mwen met un petit beurre. Nan chaudie mwen. Mwen pral fè beurre à fond. Mwen pral soué échalote. Ok? Une fois échalote là, c'est ça nous posé d'Haïti à tout. Ok? Une fois que échalote là bien soué, il n'y a pas de couleur là, il est seulement sué. Moi, mouillé. Mouillé, c'est le thème en cuisine avec du vin. Moi, je mettais une tasse de vin. Avant qu'elle réduise, moi, je mettais un petit thym là-dedans. Ok. Le principe, un principe de tout ça n'a fait avec du vin, il faut toujours réduire à moitié. Quand il y a du vin réduit à moitié, qu'on y a gâte. Moi, déposé. Moulin là-dedans tout de suite. Et moi, mets un petit persil haché. Et puis, regardez ça, moi, le fait. Moi, déposer couverture à sous lit. Et puis, de temps en temps, moi, je vais me rasser comme ça. Et puis, je quitte le bouillon là. OK? Normalement, 5 à 7 minutes, c'est prêt là. OK? OK. Mettons petit là. Attendez, je vais oublier de mettre là. Là. OK? Là, je vais mettre persil à même côté, je vais mettre un petit qui est là. OK? Je t'ai oublié, mais ce n'est pas grave. Je t'en songe. Ok. Là, ça fait au moins 4-5 minutes. Là. Ok? Tiens. Waouh. Parce que nous, tout est ouvert là. C'est ça qui est monde. Ok? On a 44. Est-ce que ouais, ça, c'est un petit fruit de mer? C'est parfait. Non, ma belle? Bon, c'est déjà fait là. Ouais, tu vois? Tout ouvert. Tout ouvert. Qu'on y a là, ou même le rendu là. Nous-mêmes, petit créole, nous, ou à son, je me dis, nous, m'a utilisé produit que m'on habitué à utiliser. Regardez. Là, moi, mets un petit bagaille là. Ça, là, c'est piment, bouc, nous, qu'on mange, à qu'on a, moi-même, moi, retiré tout grenio, et puis, m'prend poa. Parce que poa, il est vraiment bon. Lui-même, lui, c'est une bagaille, vous mettez dans cajun, et paprika beaucoup. Ok? Qu'on a pour le bon sel, mon petit goût, ça m'a le chaché. Ou à son, je m'a mettre sel. Et voilà. Ma mette sel, rien. Si toutefois ou même, ou t'as besoin de mettre un petit crème 35%, ou en a 44, moi connaissez Montréal ou y est, ou a besoin ni. Qu'on a c'est là, qu'on a mettre 3 petites cuillères, 3 cuillères ou bien 4 cuillères de crème 35%, c'est hallucinant. Ok? C'est très très bon. Ok? Là c'est prêt là. On fait même. Et voilà, ça c'est un premier. Mais regarde. C'est bon. Ok? Je vais mettre sel, je vais mettre un. Moun qui pa konnen ou ça pas manger. Hein? Moi, je vais mettre sel là-dedans. Généralement, normalement, il est supposé gagner assez de sel là-dedans parce que du vin on mette à la balle du goût plus lui-même aussi. On a tout de suite, moi, je vais vider le bol. Ok. On a là, on va préparer calmar pour nous. Ok. Wana 44. Mais calmar.
On a pour me faire calmar, la première des choses que nous avons dit, nous n'avons pas besoin de calmar frais. Moi, j'ai besoin vraiment de jouer un calmar frais, même pas jouer, c'est rondelle moins jeune, ok? Je vais quitter le tout en rondelle comme ça, mais si je veux, je dois couper en plus petit encore, ok? Mais c'est pas grave comme ça. Première des choses que je fais, je mets le beurre. Je mets au moins 3 cuillères de beurre. Pour qui ça m'a mis 3 cuillères de beurre là? Parce que moi, pour utiliser lait qui pour faire crème pour moi, ok? Une fois que le beurre a bien fondu, moi, pour faire revenir les oignons. Ok? Une fois que l'oignon est bien venu, pas coloré là, moi, je mets l'ail là-dedans. Je mets une cuillère de l'ail. Dès que je finis de mettre l'ail là, je n'ai pas même besoin de mettre quoi que ce soit. Moi, je mets le calmar là-dedans. Si toutefois, moi, je coupe le plus petit, c'est la même chose aussi. Si toutefois, c'était un calmar frais, ça aurait été la même chose aussi. Ok, après 5 minutes de cuisson comme ça, qu'on a mis ton petit sel, mis ton petit poivre. Hein? Ok, comme on veut un petit 8-9 minutes comme ça, moi mets ton petit farine là-dedans. Ok, pour qui ça moi mettre ton petit farine, c'est pas pour rien, parce que j'ai besoin de petit sauce. Ok, mettez genre un petit cuillère de farine. Là, moi on dit à 7 minutes de cuisson là. Ok, tout de suite, moi mettez une tasse de brin de là-dedans. Mais on va mettre du vin blanc. On va mettre rhum babankou. Et voilà. Moi, je mettais une petite tomate là-dedans. Mais on va mettre sauvelet. Hein? So, je mettais une petite branche piment, un pot piment, donc on aime de mettre à l'air. Un petit pot piment créole, là, moi, je mettais là-dedans. Et voilà. On a la map ajustée, quoi. On a regardé. Ou qu'on essaie un fruit de mer lié, qu'on a le droit de faire sel, qu'on a le droit de goûter parce qu'elle était congelée. Tout produit congelé, ne vient pas cuire avant de cuire. Première chose à faire, c'est partir, fin qu'il ait bien commencé à cuire et puis pour nous goûter, pour nous essayer de ne pas manquer sel. Ok? Mettons un petit sel là-dedans et moi mettez le poivre encore. Nous sommes, j'aime de mettre beaucoup de beurre qu'on a commencé à épaissir là. Les raisons fait de mettre beaucoup de beurre, qu'on a la mettre un petit lait là-dedans, lait conventionnel que nous utilisons là canou, n'importe quel lait lié, qu'on a mettre un quart de tasse là-dedans. Voilà, c'est un calmar, hein? Qu'on a la quitter le réduit encore davantage. Ok, là nous rendu presque à 12, 13, 14 minutes là, ok? On est assez près là, regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Waouh, ok? Une fois que c'est prêt, qu'on a ces calmars qui sont prêts là, avec une sauce, moi pas utiliser un rien, non pas posséder. Moi pas acheter crème 35%, moi utiliser lait et beaucoup de beurre, sel, poivre, et voilà. À la toute fin maintenant, qu'on a là, moi mettre un petit persil haché là-dessus. Et voilà. Waouh! Très très bon, ok? Avec une petite sauce, regarde-moi ça. Ça c'est le calmar. C'est vraiment bon, ok? Comme ça, je vais en fin faire calmar là. Et voilà, ma belle. Wana 44, mais calmar là devant. Très très beau. Si vous ne voulez pas mettre brandy, vous allez mettre du vin blanc. Si vous ne voulez pas mettre du vin blanc, quand vous mettez du vin blanc, vous allez mettre un petit bouillon de poulet. Et voilà. Quand on a là, je vais faire une petite cuisine gastronomie haïtienne et actualisée pour nous. Qu'on a là, nous sommes fait un calmar pour nous, qu'on a présenté pour nous vraiment en gastronomie. Ok? Qu'on a là, moi mettons un petit huile chaude, moi mettez un petit oignon rouge sué, moi mettez poivre, une fois oignon bien sué, ça c'est banane. Banane plantain, banane nous qui possédons dans le pays nous, banane plantain, banane ordinaire. Et puis ça, c'est avec pomme de terre, avec patate jaune. Qu'on a là, moi, mettez l'oignon. Moi, t'es blanchi. Ou pas cuit ni au complet. Non, tout le monde qui a su moi, nous qui t'en connaît, qu'est-ce que ça veut dire blanchir? Blanchir, c'est partir légumes non, ou bien manger à l'eau froide, aussitôt qu'il finit bouillir. Ou laisser 5 à 7 minutes et pour arrêter la cuisson et puis voilà. Et puis mettez un petit poivron
Moi mettez un petit sel. Ok. Et puis moi mettez un petit persil là-dessus. Et à la toute fin, moi mettez un petit bouquet d'épinards. Ok. Wow. Qu'on a tout de suite moi arrêté du feu. Parce que je ne veux pas l'épinard cuit là. Moi, j'ai simplement besoin d'épinard là saisi. Et maintenant, on va le monter une assiette pour nous. Wow. Ok, moi, tout est dans la cuisine là pour moi faire un montage là pour nous. Ok. Et maintenant, moi, je viens avec calmar là. Déposer tout autour de lui. Et voilà. Et voilà. Ça, c'est un set de calmar. Ok? Un set de calmar avec cuisine créole actualisée. Ça veut dire, moi, prends un set de produits qui pas vaut beaucoup d'argent. Par exemple, quand on prend une patate, ça coûte pas beaucoup d'argent. Quand on prend une banane, on ne peut pas coûter un pile comme, mais moi mettez en valeur avec un calmar. Et voilà. Mais pour nous là encore, qu'on a lui-même là pour crever. Ok? Ça, c'est une assiette de crevettes de cuisine créole actualisée. Rien de spécial, pas beaucoup d'argent, et puis c'est très bon et c'est excellent. Tout le monde qui compte faire manger là, juste en regardant, juste pendant que regarder couleur, ça là où on n'est pas capable. Ok? Et voilà, moi fais crevettes pour nous avec un vraiment cuisine actualisée. Et puis moi fais calmar là aussi, surtout pour nous. Merci, hein. Wana, moi je vous remercie. Tout le monde, moi je vous remercie parce que vous demandez de cette salle.